Vous avez eu un échec, Véronique, je suis désolée. Benoît? Monsieur Richard a été déplacé avec moi. Tu peux pas être dans un rapport de séduction avec moi. On est en relation d'aide. Touche-moi pas. Comment tu vas, Jeff? Ah, très, très bien. J'étais en recherche d'emploi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont entendu après l'école. J'ai eu un cancer il y a 15 ans. Le but de mes études, c'est surtout que mon père soit pas venu s'installer ici pour rien. C'est Christophe qui l'a découvert, c'était mon gynéco à ce moment-là. Zach, viens. Ta grand-mère t'appelle? T'es un peu comme le père que j'ai jamais eu. C'était pas ma grand-mère, c'était ma mère. Un petit verre? Ça t'endort trop. Tu resteras couché. Si. As-tu une date à matin? Non, mais si jamais j'en ai une, on est prête. OK. Avance ton affaire avec Olivier Luc. Je sais pas. Mais j'ai décidé de lever le pied de sa pédale du frein puis de regarder ce qui va se passer. Qui c'est qui m'a volé ma Béatrice qui l'a remplacée par une jovialiste? Puis toi, ta Zoé? Oh, je suis son père. Elle m'a dit que pour elle, j'étais une figure paternelle, le père qu'elle n'a jamais eu. Merci de ta compassion. Excuse-moi. Vraiment désolée. Mais, sais-tu qu'est-ce que c'est important que ça? Oui? Non? Bon, disons que ça faisait du bien à mon ego. Toi, tu peux pas dire que ça te fait pas plaisir qu'un petit jeune te tourne autour? Franchement, là, je sais pas ce que ça me fait de plus. Plaisir ou bien peur pour mourir? Oui, oui, pas de problème, garantie. On va prendre deux autres. Non, non, je parle à l'arabe. Tu sais, la transaction que je t'ai parlé hier, je l'ai mis dans ma petite poche en arrière, le gars. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez accélérer un petit peu? Parce que. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ben, c'est que je suis un petit peu pressé, là, puis ça nous intéresse pas ce que tu dis. Non, non, c'est une bonne femme qui capote. Écoute, chérie, t'as l'air un peu stressé, là. C'est en ménopause, là, prendre Valium, les hommes demandent quelque chose. Merci. Tu sais, moi, c'est une folle. Salut, ça va? Véro, est-ce que ça va? Mais oui, t'es sourd. J'ai appris que t'avais coulé. Coulé mon examen? Merci beaucoup. J'avais complètement oublié. Fais-en pas, j'ai coulé 3 examens dans mes 2 premières années d'externat. Bon, qu'est-ce qui t'a parlé de ça, là? Docteur Clément? Elle a pas d'affaire à bavasser dans mon dos avec un résident. OK. Excuse-moi. Je voulais t'encourager. S'il y a quelqu'un qui peut pas m'encourager, c'est bientôt. Fait que gaspille pas ta salive. Ah, Andrew, c'est toi que je voulais voir. Qu'est-ce que t'as fait avec tes lunettes? Ah, je faisais un petit essai. C'est raté. Peux-tu me décrire la maladie de Kawasaki? La maladie de Kawasaki? Non, je sais pas. La maladie de Kawasaki, ou syndrome lympho-cutanéo-muqueux, est une maladie infantile d'origine immunologique. Porte-fièvre pendant plus de 5 jours, altération de l'état général, maux de tête, conjonctivite bilatérale, bulbaire, inflammation de la muqueuse buccale. Langue framboisée, chélite douloureuse. On a un patient avec la maladie de Kawasaki?
Bravo, Miloslav. Finalement, t'étais le seul à pas savoir c'était quoi. Fait que peux-tu me sacrer patience maintenant, s'il te plaît? OK, mais tu diras ça au Dr. Clément. Est-ce qu'elle a encore fait, celle-là? Dr. Clément, fais-vous dire à Andrew d'arrêter de me harceler avec ses questions, s'il vous plaît? Andrew, voulez-vous arrêter d'harceler Véronique avec vos questions, s'il vous plaît? L'incidence de la maladie de Kawasaki au Québec est de 0.00005%. Pourquoi vous perdez du temps là-dessus? Mais là, c'est pas à toi de sermonner mes étudiants. Désolé, docteur Clément. Puis vous autres, là, pourquoi vous perdez du temps avec ça ce matin, là? Donc soigner des maladies avec une incidence de 60%. Go! Ça va? Oui. Très bien, toi. As-tu des chaleurs? Non, pourquoi? T'as les joues rouges. Ah ben... Non. Oui? Ça va pas? Oui, c'est juste... J'ai une niaiserie dans la tête, là, puis... Alors, ça vaut même pas la peine que je vous en parle. D'habitude, que vous appelez vos niaiseries, ça va être plutôt intéressant. Je me suis fait traiter de folle. Puis de ménopausée. Dans un dépanneur par un jeune homme. Puis depuis ce temps-là, je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à ça. C'est tout? Ben, il me semble que c'est assez, tu sais. Puis, pendant qu'il me riait en pleine face, là, ben... Je suis restée plantée là, comme une dinde, sans rien dire. Quoi? Excusez-moi. J'arrive pas à vous imaginer plantée là comme une dinde. Et pourtant, la pure vérité. Mais qu'est-ce que vous lui auriez dit, sinon? Ben, que je te pousse. Que c'est pas en me traitant de... Puis j'ai pas l'âge. Oh, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a tellement raison. Là. Un jeune homme, vous dites? Quel âge? 35 ans. Pourquoi vous me demandez ça? Votre résident, Dr Lavaux, il a quel âge? Eh oui. Ben oui, vous avez raison. Il m'a traité exactement comme le Dr Lavaux aurait dû le faire, là, si c'était pas mis dans la tête de se taper sa prof. C'est révélateur que vous l'appeliez le Dr Lavaux. C'est par habitude. À l'hôpital, je l'appelle tout le temps comme ça. Oui, ça, je peux comprendre. À l'hôpital, la distance professionnelle, mais ici, quelle distance est-ce que vous essayez de garder quand vous m'en parlez à moi? OK, on va commencer par la salle d'observation. Les résidents, vous donnez une petite chance aux externes, s'il vous plaît. Et des bébés médecins, impressionnez-nous. Bébés médecins, ça vous inclut, ça, Dr Lavaux? Miloslav aussi? Bien, certainement. Milos, qu'est-ce que tu dis? Rien, je ne dis plus rien. Beaucoup de symptômes de gastro-entérite, avant de chanceux. Dr Clément et toute sa marmaille, c'est beau à voir. Oh, ma petite dernière a l'air en forme. Oui, c'est l'accouchement qui est le plus difficile. Mais là, il est en super forme. Puis votre plus grand, hein? Pas de régression, ça va bien? Mmh. Olivier Luc, il est toujours en régression. Son état naturel. Véronique, Olivier Luc est votre supérieur. Vous lui devez respect. Dans ses rêves. Jean-Gilbert, êtes-vous en train de semer la dissension dans ma famille? Mais pas du tout, Majesté. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un résident au lit 22, couloir 3. Milos, Péloufas? Ah non, non, je vous en prie. Après vous, docteur Lavant. Non, 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 allez-y, allez-y. Les garçons, c'est un peu urgent. On laisse tomber les salamalek. Oui, et puis comme je suis encore le patron de cette urgence, docteur Lavaux, go. Oui, à l'instant. Docteur Clément. Mm-hmm. Docteur Clément, père pour vous. Oh, je vais le prendre dans mon bureau. OK, commencez sans moi, je vous rejoins tout de suite. Ça va, Lucinka? Oui, ça va. Ça va, toi? Ça se passe bien? Mieux que je croyais. C'est comme du vélo, la médecine. Mm. Ça ne se perd pas. On dîne ensemble ce midi? D'accord pour ce midi. Avec plaisir. Je dérange pas trop, toujours? Pas du tout. Je suis occupée, papa. Pascal m'a dit que t'avais une autre élève qui avait des problèmes. De quoi il se mêle, lui? Béatrice, quand une élève performe pas, c'est sur l'enseignant que ça déteint. C'est parce que ça fait des années que j'enseigne, là. C'est pas bon pour toi, pour ta réputation. Il manquait 2 points à mon étudiante pour réussir son examen, qu'elle va reprendre d'ailleurs. Ça va aller.
Tu sais, j'ai enseigné moi aussi, hein. Il existe des trucs pour stimuler les étudiants. T'as rien que moi à dire, puis je vais t'aider. C'est gentil. Je vais m'en rappeler. Peut-être que je suis pas le père que t'aurais souhaité avoir, mais... Je peux t'aider. On fait le même métier, ma fille. Hein? Je vais me souvenir de ton offre, pas? Mais il faut vraiment que j'y aille, là. OK, bravo. Bonne journée, ma grande. Bye. T'oublies pas ton rendez-vous au centre épique, amour? Hein, non. Qu'est-ce que tu fais? Hey, il y a des affaires qui traînent là-dedans, là, depuis des mois. Non, j'ai fait le ménage, il y a pas longtemps. Tout ce qu'il y a est bon. Ça, c'est quoi? Moussaka. Ça date d'il y a 3 semaines, ça. Christophe, j'ai sorti du congélo hier soir. On va la manger pour souper. Arrête! Va prendre une marche. Toi, tu vas où? Je m'en vais à Fondation, mais je reviendrai pas tard. Je vais passer chercher Océane en revenant. Tu pourrais me laisser ça, au moins. T'as pas le droit de conduire encore. Je peux marcher, je suis pas devenu invalide. Isabelle, franchement, on dirait que ça te fait plaisir de me voir comme ça. Oh, amour. Non, mais c'est vrai, tu me traites comme un enfant. Oublie pas ça, fais-ci, fais non pas ça, tu m'infantilises. Bon, moi, je veux pas me chicaner, je pars, là. Va chercher la séance, si tu veux. Oublie pas que t'as quelque chose à dire à Ginette Toin, hein? Bonne journée. Merci. Je cherche pas une lousse. Y a pas de message caché. La vie m'a amené à régler les choses un peu plus vite que j'aurais voulu, mais c'est fait maintenant. Alors, si t'as envie d'un peu de liberté avec moi, ben, je suis là. C'est sans obligation. C'est toutes les Québécoises qui sont comme ça ou seulement toi? Juste moi, profite-en. J'aime bien être avec toi, Lucie. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, c'est évident, me semble. Tu l'as-tu entendu? Pis là, dévore des yeux, regarde. Comment tu fais pour voir ça? Comment tu fais pour savoir que quelqu'un s'intéresse à quelqu'un ou même que quelqu'un s'intéresse à toi? C'est évident quand quelqu'un s'intéresse à toi. Ben, comment? Il te le dit, il te fait des compliments, genre? Ben, je sais pas. Il me semble que ça se sent. Moi, je vois pas ça. Comme ton kick sur l'avo, là. J'avais rien vu. Fini mon kick. De toute façon, j'ajoute une grosse ligue à cette heure. Quelle ligue? Docteur Clément? Ah. Puis, est-ce que ça te rend jalouse, ça? Bon. Je vais boire mon café ailleurs, moi. Hein? Que j'ai dit. Héros? Vous allez avoir 30 minutes pour faire l'examen. Ah! Non, 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 mais je me suis pas préparée, là. Vous avez pas arrêté de me dire qu'Anjou, vous avez bombardé de questions test. Si vous êtes pas prête après ça, vous serez jamais. Oh, mais qu'est-ce qui me dit que ces questions ont un rapport avec celles que vous allez me poser? Pensez pas sérieusement qu'Anjou avait préparé tous les sujets à vous faire réviser, quand même? Cet examen-là, il va être valide à l'université. Véronique, c'est moi qui prépare tous les examens pour les externes. Pour tous les externes de tous les centres hospitaliers universitaires. Je suis en charge de l'enseignement d'urgentologie. Voulez-vous voir mes papiers officiels? Non. Vous avez 30 minutes. Christophe était furieux quand il a appris que tu étais au courant. Je t'ai dit que ça sortirait pas d'ici. Non, non, je parle pas du cancer. Je parle du fait que Christophe était mon gynécologue. Ah bon, j'en ai pas parlé non plus, je comprends pas, là. C'est contre la déontologie de fréquenter une patiente. Même à la fin d'un traitement? Oui. Le lien thérapeutique reste toujours. Ah bon? T'as pas idée, Christophe, enfermé dans la maison en repos forcé, un lion en cage. Il rugit puis il griffe. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Mais surtout, il rumine. Sa relation avec Béa, moi, je suis plus capable. J'aurais cru que sa crise les aurait rapprochés, mais on dirait que c'est pire. Le jour de son attaque, pendant qu'il réanimait, Béatrice m'a dit des choses très dures à propos de lui. Je peux pas croire que Christophe a été aussi dur avec elle. Fait que tu remènes toi aussi? Oui.
Jen. Christophe m'a demandé de te faire promettre de jamais parler à Béa des circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, lui et moi. T'as pas me demandé ça que t'es passé me voir? Je m'excuse. Christophe, il tient mon ticus. Misère! Non, pas, je veux pas. OK, j'ai pas le temps, on s'en parlera ce soir. À ce soir! Est-ce qu'on a un bébé médecin en détresse ici? Non, non, excusez-moi. Excuse-toi pas, mon beau, t'as le droit d'avoir des problèmes. Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est mon père, là, on dirait qu'il se rend pas compte que... Je... De quoi? J'ai pas été mis sur Terre pour réaliser ses rêves à lui, là. On pense ça. Depuis mon adolescence que je détruis les rêves de ma famille à temps plein. Comment ça? Allô? Pas l'air assez gai pour toi? Ah. Puis ça les dérange, ça? Le mot est faible. C'est pas moi qui ai besoin de parler, là. C'est toi. Ouais, viens. Ah. Finis mon café, tu vas me raconter ça. On était deux sur cette intervention-là. Ben, je voulais avoir votre avis. C'est vous le spécialiste des jeunes, non? Ah, seriez-vous venu aussi si la cliente avait été un client? Pardon? Non, vous avez bien compris, là. Je sais pas si c'est à cause de l'histoire d'Éléonore, là, mais j'ai l'impression que vous me faites pas confiance pour les jeunes femmes. C'est parce que ça se mérite, une confiance. Ah, OK. Là, je me demande sérieusement ce que je préfère le plus. Demander à mon ancien employeur de vous dire qu'en 20 ans, j'ai pas eu une seule fausse note à mon dossier. Demander au recteur de l'Université de Trois-Rivières de vous dire comment j'étais apprécié durant les 10 ans où j'étais titulaire. Si vous étiez pas là quand j'étais engagé, Maria, c'est dommage pour vous. Mais vous pouvez pas toujours remettre en question mes interventions ou me soupçonner de je sais pas trop quoi. Alors, ou bien vous arrêtez ça, ou bien je m'en vais. C'est clair? Rien de brasser. Travailler dans un contexte comme ça, là, puis capable. J'ai pas lâché le CLSC puis toutes les petites guéguelles d'influence pour venir vivre la même chose ici. Ouais. Non, mais c'est quoi son problème à elle? Elle a été absente pendant quelque temps, hein? Congé de maladie. Qu'est-ce qu'elle avait? Je sais pas. Oh. Donc, quand les services sociaux m'ont engagé, elle était en maladie, pas en vacances. Mais attends, ça change tout, là, cela-là. Bien, pourquoi t'as pas allumé avant? Oh, c'est vrai, excuse-moi. J'ai complètement oublié de te le dire. Tu sais, quand t'es venu faire ta demande d'emploi sans m'en parler, là, j'ai pas pensé à te dire que ta patronne avait des problèmes de santé. Je suis vraiment désolée. Ouais, je suis qu'avant. Tu peux. Écoute, là, c'est dur de vivre comme ça, là, sans cesse. Ça veut dire qu'on manque de jugement et qu'on n'est pas à la hauteur. Bienvenue dans ma vie. Zachary? Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs. Tu vas pas à l'école? C'est parce que tu t'es fait achaler? Non, non. Je peux mieux me concentrer pour faire mes devoirs puis mes leçons ici. C'est tranquille. Mais si tu vas pas à tes cours, je vois pas comment tu vas faire ça. J'écoute bien au début de la semaine. Je suis intelligent, moi, madame. Je sais. Et parle à ta mère, Zach. Non, elle va capoter. OK, parle à ton titulaire, ton directeur d'école. C'est parce que là, tout ce que tu fais, là, c'est de rester dans ton coin. Puis faire mes compulsions avec les bacs? Dis-le, regarde, je sais que c'est malade, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu te fais intimider, là, ça t'angoisse. Puis après ça, tu viens te cacher ici, puis tu te défoules sur les bacs à récupération. Et tu tournes en rond. Puis j'ai peur de couler mon école aussi, puis si je couche, j'aurai jamais un bon métier. Je suis juste un maudit malade. J'aurais jamais dû te parler de ça. Ah ben, il est trop tard. Parce que là, c'est rentré ici, puis dans mon cœur. Écoute, je sais que tu veux protéger ta mère, mais là, c'est toi qui n'es pas protégé, tu comprends? Regarde. Faut que j'aille travailler, mais... Tenterais-tu de t'installer chez nous pour étudier?
serait mieux, hein? Tôt. La capitale du Bangladesh, c'est? Dhaka. Good. Bonne journée. Salut. Avez-vous de la difficulté à respirer? J'étouffe, là. Donne-lui un bolus de Percocet. Non, je dirais plutôt Dilaudid. Les hydromorphones sont aussi efficaces, mais moins addictifs. Oui, mais Percocet agit plus directement sur la source des douleurs. Pendant ce temps sur la civière, le patient gémit de douleur. 4 mg hydromorphe, IV. Je vais faire un examen complet de sa cage thoracique. On va le passer à Lady. Gigi, peux-tu réserver? Oui. Ah, tu veux utiliser ton nouveau jouet, mais je vais quand même faire un examen tactile avant. Mais là, Star, c'est pas le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, non, restez couché, restez couché. Oh, ben... Mon petit monsieur du dépanneur. Monsieur Paquette, est-ce que vous êtes arrivé? Il y a un cave qui m'est rentré dedans, je vois. J'espère que votre téléphone est correct, oui. Monsieur Paquette et moi, on a eu une petite mésaventure ces derniers temps. Hmm? Si je me souviens bien, vous m'avez traité de stressé et de ménopausée. De ménopausée. Bonne. Miloslav, examen. Le docteur Lavaux m'a empêché de faire examen. Je l'avais fait avant. Probable fracture des côtes 3 à 5. OK. Pas de complications apparentes? Il faut faire quelque chose, là. Ah oui, on va faire quelque chose. Paniquer, hein? C'est à votre tour, là, d'utiliser votre petite patience. Prenez le bidon 5 mg de Vercel et préparez-le pour les dus. Hein? Vous êtes pas mal chanceux, parce que vous auriez pu tomber sur un médecin pas mal plus rancunier. Au suivant. Miloslav. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime pas comment le docteur Lavaux me parle. Il est impoli? Il se prend pour le patron. Bon, je vais lui parler, vous allez vous ajuster. Véronique, vous avez réussi l'examen. Excellent résultat. Oh, yes! Vous êtes donc réadmise dans le programme d'externat. Je vais transmettre vos résultats au docteur Jodoin. Il va sûrement vouloir vous rencontrer. Pourquoi? Mais pour vous dire que vous êtes réadmise officiellement dans le programme d'externat. Après tout, c'est lui le DSP. Vous allez faire un bon médecin. Vous avez du courage. Vous allez en avoir besoin. Pour être aussi bonne que les autres? Non, pour être aussi bonne que vous désirez l'être. Docteur Lavaux, dans mon bureau, s'il vous plaît. Oh. Quoi? Vas-y. Oh, mais oui, Juliette à bâbord. Oh, arrête donc. Une vraie mère. Garde-la donc, elle. Tu mets ça avant que je te mette au courant des intrigues, c'est quoi, là? T'as quelque chose à cacher? Pas du tout. Me semble. Qu'est-ce qui s'est passé tantôt avec le docteur Lesoski? J'étais pas d'accord avec ce qu'il proposait comme traitement. OK. Et vous étiez obligé d'utiliser ce ton-là? Tu avais pas entendu quand même parler à moi, genre comme une mouche qui buzzait dans l'oreille. OK. Fait que là, si j'ai bien compris, on est dans le « c'est pas de ma faute, c'est lui qui a commencé », c'est ça? Non. Il n'y a juste pas d'affaire à me traiter comme son subalterne. Écoutez, le docteur Lesoski peut être un peu raide, c'est vrai, et je suis certaine qu'il vous respecte. La prochaine fois, là, venez donc m'en parler tous les deux dans mon bureau, là, au lieu de vous crêper le chignon bien patient. Fait que c'est ça, là. On retourne au « vous » puis à l'air bête. Ah, j'ai l'air bête, moi? Oui, un peu. Ah bon? Ben, ça doit être mon air bête de professeur qui essaie de calmer une chicane entre deux élèves. Pourquoi tu riais? Hein? Ben, le bonhomme tout à l'heure, avec son histoire de ménopausée, là, qu'est-ce qu'il y avait de drôle? Ben, t'es loin de la ménopause. Pas tant que ça. Ben, c'est pas une insulte. T'es chanceuse que la commère Jean-Gilbert a les yeux rivés sur ma nuque parce que tu passerais par là. Oui, bon, Jean-Gilbert, lui aussi, toute l'urgence nous regarde. Hein. Tu prends pas ton cellulaire, toi, quand tu travailles? J'ai oublié. T'es une grande? Non, 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 c'est Caroline qui me demande si je peux souper à l'extérieur, elle a besoin de l'appart. J'haïs ça.
On en profite pour savoir? Non. Non, c'est pas Caroline qui va dicter notre relation. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis pas jalouse ni rien, là. Puis je suis prête à passer par-dessus bien des affaires, Olivier Luc, mais je veux pas rentrer en guerre contre Caroline. Tu lui donnes la place que tu veux dans ta vie, mais pour moi, là, elle fait pas partie d'idée. À 14 ans, là, j'ai eu un gros kick sur l'acteur Al Pacino. Je pense que j'ai dû voir Dog Day Afternoon, je sais pas, au moins 10 fois. Mais c'était plus qu'un gros kick, hein. C'est un premier amour. Moi, je pensais à lui tout le temps. J'imaginais qu'on s'était rencontrés à Montréal lors d'un de ses tournages, par hasard, que j'étais là, puis qu'il m'avait remarqué. C'est fou, hein? Elle sait que ça marche pas partout quand je vous raconte ça, là, mais dans ma tête de 14 ans, ça marchait au bout. Il n'y en avait pas de problème. On vivait un grand amour. Sauf que... Que? Mais quand on se retrouvait dans l'intimité, lui et moi, il y avait toujours un moment où ça pouvait pas aller plus loin. Quand normalement, là, Al et moi, on aurait dû faire l'amour, ben ça bloquait. Et est-ce que c'est votre côté rationnel qui vous faisait sentir que votre fantasme n'était pas réalisable? Non. Je savais ce que c'était que faire l'amour, mais je savais pas comment. Fait que je retournais toujours à la partie où, ben on se regardait dans les yeux, puis on se tenait par les mains, puis on s'embrassait de même jusqu'à ce que je m'endors. Mais pourquoi est-ce que vous me racontez ça maintenant? Ben parce que j'étais à la même place. Avec l'envie d'aller plus loin avec Olivier Luc, mais de pas savoir comment. Vous savez, je suis pas vraiment surpris de ce que vous me dites. Ah non, ça vous surprend pas, vous, qu'une femme de mon âge sache plus ou sache pas comment se rendre jusqu'à faire l'amour? Non, parce que je connais de votre relation avec Olivier Luc me fait penser plutôt à une relation adolescente. Ben là... Oui, vous comprenez ce que je veux dire. Une relation basée sur la liberté, le rire, la légèreté. En fait, le contraire de ce que vous vivez dans votre vie professionnelle avec votre père, votre directeur du personnel, même votre ex-mari qui questionne d'ailleurs votre relation. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez raison, mais pourquoi est-ce que je suis pas capable d'aller plus loin avec lui? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Ça, je peux pas répondre pour vous. J'arrive pas à me débarrasser de l'idée qu'il est trop jeune pour moi. Non. Non. Que je suis trop vieille pour lui. Je panique. À l'idée qu'ils se rendent compte que... Que? Que je suis une vieille femme qui va avoir des chaleurs dans quelques années puis qui va être d'humeur toujours égale, toujours en tabarnak. Non, mais il est beau, là, c'est ça pareil. Mais est-ce que vous lui en avez parlé de votre peur? À Olivier Luc? Et jamais. Mais vous croyez qu'il vous voit pas comme vous êtes? J'ai aucune idée de comment est-ce qu'il me voit. Mais vous savez... Je pense que la peur d'être trop vieille, c'est pas ça, la peur qui vous habite. Bon. Une autre affaire. Je pensais que t'avais lâché le bord. Je travaille le jour. C'est moins dur. Ça va être correct pour ce soir. Je vais aller souper au restaurant. T'avais pas besoin de venir jusqu'ici pour me dire ça. Je suis inquiet. Arrête de t'inquiéter. Béatrice puis moi, ça va... Ça va arriver, je pense. Super. Je vais lui parler. Je vais tout lui dire. Tu fais bien. C'est le meilleur moyen. Vas-tu encore juste là? De temps en temps. T'as un meeting avec lui ce soir, c'est ça? Oui. Arrête. Je verrai pas le party du siècle. Arrête de me gosser. Si je rentre à 10 heures, c'est correct? C'est parfait. Merci. Excusez-moi. Vous êtes la mère de Zachary, hein? Oui. Ah oui, je vous reconnais, la piscine. J'aurais aimé ça vous parler. Moi? Oui, à propos de Zachary.
Voulez-vous rentrer deux minutes? Venez. Il se fait battre à l'école, c'est ça que vous vouliez me dire, hein? Il s'est mis dans la tête que tout ce qui lui arrive me fait du mal à moi. Alors il ment, il me dit pas les choses, il veut me protéger. Puis après ça, ben, il y a des rituels puis des compulsions juste pour conjurer le sort. Ouais. Voulez-vous voir quelque chose? Non, merci. Je sais plus quoi faire. Je peux pas le forcer à suivre sa thérapie ou à prendre ses médicaments, puis en même temps, je peux pas supporter de le voir si anxieux. Zach m'a dit que vous souffrez du syndrome de fatigue chronique, c'est ça? Oui. Ça date de quand? Au début, je pensais que c'était normal d'être fatiguée. J'avais 45 ans quand j'ai eu Zachary. Même les médecins pensaient que je faisais la postpartum. Oui, je suis médecin. Puis je peux vous dire que c'est une maladie maltraitée dans tous les sens du terme. Oh, c'est bon, ça, maltraitée. Oui. Mon coloc, Benoît, il est travailleur social. Il est venu ici l'autre soir, puis il a rencontré Zach. Ça a vraiment cliqué. Je me disais qu'il pourrait peut-être servir de lien avec l'école pour vous aider. Ouais, vraiment, là, de façon non officielle, amicale. Je vais pas déranger. Lui demander. Excusez-moi. Madame, ma mère a disparu. Je sais plus où je capote. Zachary! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Maria. Oui? Deux minutes. Ah, mais... Oui? On revient quelques mois en arrière. Mon entrevue pour mon emploi, c'est vous qui menez l'entrevue. Ah, oh, non, moi, je suis pas gêné. Qu'est-ce que vous m'auriez posé comme question si vous aviez été présente pour mon entrevue d'embauche? OK. OK. La première question que je vous aurais posée, après avoir lu votre CV, bien sûr, c'est... qu'est-ce que vous essayez de fuir en venant travailler ici? Bon, là, tu parles. J'aurais répondu que je fuyais un sentiment d'inutilité qui durait depuis presque 10 ans. Je vous aurais dit aussi que quand ma mère est devenue trop malade pour vivre toute seule, j'ai pris une année sabbatique pour m'occuper d'elle. De quoi souffrait-elle? Alzheimer, la forme sporadique. Mais heureusement, si je peux dire, elle a développé un cancer du poumon et est décédée très rapidement. Les sympathies. Merci. Je me suis retrouvé avec rien d'autre à faire. Et un petit héritage et le goût de tout envoyer promener. Et c'est ce que vous avez fait? Pas tout de suite. J'ai fait des voyages ornithologiques, mais après 2 ou 3, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu jeune pour rien avoir à faire d'autre que d'être aux oiseaux. Alors, j'ai démissionné du CLSC et de l'Université de Trois-Rivières. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Je suis pas un gars parfait, Maria, mais je suis pas un mauvais gars. J'ai jamais dit ça. Non, mais vous me faites pas confiance. Et je veux savoir pourquoi. Une pharmacienne est venue vous voir en pleurant. Ah, oui, ouais. C'est une situation un peu... Ça me regarde pas, mais bien malgré moi, ça m'a rappelé une visite semblable. Je me suis occupée du cas de Brigitte Langlais, vous savez. C'est pas du tout la même chose. Et vous avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Lors des rencontres, pour ce cas-là, j'ai été témoin de choses qui ont teinté la perception que j'ai de vous. T'sais. Alors, avec le cas d'Éléonore en plus de ça...
Je l'avoue, j'ai eu des doutes. Merci de votre franchise. Vous savez, moi aussi, je sais quelque chose sur vous. Ah bon? Vous étiez en congé de maladie quand j'étais engagé. Vous êtes au courant de la course de mon congé de maladie? Non. Ah. Bon. Alors, on peut dire qu'on est quitte? Oui. Je dois y aller maintenant. Oui. À demain, Benoît. Une autre part, en dessous de celle que j'ai déjà d'être trop vieille pour Olivier Luc. Oui. Quand vous m'avez parlé de votre fantasme à propos d'Al Pacino, vous avez dit « Quand j'entrais en intimité avec lui, il arrivait à un point où ça ne pouvait pas aller plus loin. » C'est ça que je trouve intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? L'idée de l'intimité. Vous avez 48 ans, vous avez été marié, vous avez connu quelques hommes. Les relations sexuelles ont probablement plus pour vous tellement de zones d'ombre. Non, c'est sûr, mais je... J'en ai pas connu tant que ça non plus, des hommes. Là. Je suis pas à l'aise de parler de ça. On peut arrêter. Non, 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 non. L'intimité, là, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ben, je me demande si la peur qui vous habite, c'est pas surtout la peur de l'intimité. Et pourquoi j'aurais peur de ça? Ben, entrer en intimité avec quelqu'un, ça veut dire accepter d'être vulnérable, de se révéler, d'en dire sur soi plus qu'en mille mots. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis si lui, il aime pas ce qu'il a découvert, ben moi, je suis faite. Mais peut-être qu'au contraire, c'est vous qui allez découvrir sur lui des choses qui vous plaisent pas. Avez-vous d'autres choses encourageantes à me dire, moi, que je quitte là? Je peux pas croire que t'as tété une job à Bernadette Rioux. J'ai rien tété. C'est elle qui m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je me cherchais un job. Elle a offert de parler de moi à une amie qui est en Géronto. Quand même, Jean. C'est la directrice de l'urgence. Tu peux pas faire ça. Faire quoi? Répondre à ses questions? C'est elle qui arrêtait pas d'être fine puis de s'intéresser à moi. Je peux pas en dire autant de l'autre directrice de l'urgence. OK, là, c'est pas ça. C'est juste que... C'est quoi? As-tu honte de moi? Tu veux pas que tes collègues sachent que ta tante, c'est une vieille granola de 60 ans qui en arrache financièrement puis qui est sous bord de la faillite? Oh non, c'est pas ça. Excuse-moi, Jean, excuse-moi. Oh, c'est pas évident. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? J'en parle, là. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? J'ai rien à te dire. Bernadette m'a offert de parler de moi à quelqu'un. J'ai pas signé de contrat, j'ai même pas eu d'appel. Juste que je suis un peu tannée, tu sais, d'être toujours la dernière à apprendre les affaires. Moi. Franchement, bébé, tu donnes tellement pas envie qu'on t'en apprenne non plus. Regarde comment tu réagis. Oh, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi. Je pense que j'ai eu mon quota là, de révélation pour un bout. Un, deux, trois brins de céréales, ça va être bon dans le bouilli. T'as aucune idée à quoi ça ressemble, la serviette, hein? Ben oui. C'est juste que là, j'avoue pas, il y a trop d'affaires. C'est vert, puis c'est dans le fond par là-bas. Caro? Qualifie que la petite jeunesse qui sort du cégep qui n'a jamais changé de couche de bébé, encore moins une couche de personne âgée. Excuse-moi, là, mais oui, juste de retrouver mon appétit, là, si ça te dérangerait-tu de m'épargner ça à manger? Mais excuse-moi, là, mais ça m'enrage. Là. Faudrait que je suive un stage de perfectionnement, puis ton téléphone sonne. C'est
Pas le tien? Pas ça, maçonnerie. Non? Non. Ça, tu peux bien m'appeler. Juste toi qui m'appelle. Mais réponds, là. Allô? Pourquoi elle a fait ça pendant que j'étais pas là? Elle a pris absolument tout ce qui lui appartenait, même les petites fourchettes pour tenir les blés d'Inde. Oh, je sais même pas si elle s'est trouvée un logement. Pourquoi elle a pas attendu un peu? Je sais pas. Peut-être que c'était plus facile pour elle de faire ça pendant ton absence. Tu sais, ça lui évite les adieux. Quand je lui ai parlé de divorce, c'est comme si je l'avais rejeté complètement. Je te raconterai pas tout de suite, ça. On a un passé complexe. J'avais cru comprendre ça. Ça te dérange pas trop que je te parle encore de Caroline? Non. Tu sais que quand j'ai quitté Benoît, j'ai fait la même chose qu'elle, hein? Je me suis déménagée moi-même en cachette. Je pouvais pas faire ça devant Benoît. J'étais incapable de lui demander de m'aider à emballer des tasses et des petites cuillères. Pourquoi? Je sais pas, je manquais de courage, faut croire. J'en avais juste assez pour le quitter et faire ce que j'avais à faire. Est-ce qu'il est en amour avec toi encore? Non. Non, je pense pas. Mais il y a juste moi qui s'en rendais compte. T'sais, on était rendu au bout de notre relation amoureuse, puis il y avait juste une façon d'écrire le mot fin. Caroline pis moi, c'est pas ça. C'est pas une relation amoureuse qui finit mal. T'es sûr de ça? Je sais pas. En tout cas, ça fait mal presque autant. Ben, est-ce qu'il y a personne dans ton...